Yop, les gens, on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est un 400 mètres. C'est pas vraiment un défi parce qu'on me l'a pas lancé, mais c'est pas vraiment un exploit non plus. En tout cas, c'est vraiment un défi pour que je me suis lancé à moi-même. Donc ça serait de réaliser le 400 mètres en moins d'une minute. Donc on verra si c'est possible parce que c'est vrai que je me suis pas du tout entraîné dessus. Je voulais voir si je pouvais le faire justement. En plus de ça, par terre, c'est pas de la piste. Comme vous verrez, c'est pas un stade olympique. Du coup, bah, c'est du gravier. C'est un peu embêtant, mais vous verrez, c'est pas très très gênant, on va dire. Parce que c'est pas non plus un record que je vais essayer de battre. Et le vrai problème par contre, c'est que par terre il y aura de l'eau, du coup je vais devoir prendre un peu des grandes courbes. C'est soit je ferai 400 mètres, soit un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, on se retrouve directement au stade pour la course. Mais surtout, si la vidéo vous plaît, ben, n'hésitez pas à aimer, à partager et à mettre des commentaires en proposant des nouveaux défis. Allez, à tout de suite. Juste après le défi, du coup je devais filmer après au stade. Le problème c'est qu'on a eu des petits problèmes de type vomitif. C'est la première fois que je vomis après avoir fait du sport. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être le temps. Après j'en fais jamais de la course, enfin, du moins du sprint, c'est peut-être pour ça. Bon, au moment de partir, comme à Mongol, j'ai oublié de mettre la montre GPS. Du coup, ben, je sais pas combien de temps j'ai mis au moment où je vous parle. Mais avec le montage, ben, vous le saurez. Mais bon, apparemment j'ai dû mettre une minute une. Mais c'est pas ça le plus important en fin de compte. Le plus important c'est le message que veut passer la vidéo et même ma chaîne, c'est vous montrer que même si vous y croyez pas, même si vous faites pas un sport en particulier, c'est la possibilité de réussir, que si vous en donnez les moyens, ben vous pouvez le faire. Tout ça en se donnant des objectifs, en étant persévérant et continuer d'y croire quoi qu'il arrive. Bon voilà, si la vidéo vous aura plu, ben n'hésitez pas à mettre un commentaire, à aimer, à vous abonner et surtout surtout à partager, ça m'aide énormément. Du coup on se retrouve à très bientôt, allez tchuss les gens.